Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette délicieuse gelée à la fraise, un dessert simple, facile et rapide. À la fin de la recette, vous trouverez la liste des ingrédients et du temps pour noter. C'est parti! Pour commencer, je vais garder quelques fraises pour la décoration. Ensuite, je vais équeuter et couper les fraises en morceaux. Dans un bol mixeur, je vais mettre les fraises et ajouter le sucre. Puis je mixe bien le tout pour obtenir un coulis bien homogène. Si vous désirez découvrir d'autres recettes, je vous invite à faire un tour sur notre chaîne. Une fois bien mixé, je verse le tout dans une casserole. Dans un verre, je vais mélanger la fécule de maïs avec de l'eau. Ensuite, je verse le jus de citron, puis je mélange le tout. Pour finir, je verse la fécule de maïs et je mélange bien le tout. À feu doux, je fais chauffer le tout en remuant tout au long de la cuisson. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en laissant un commentaire. Il faut que le coulis devienne épais comme une crème. Je verse la crème dans un bol et je laisse refroidir à température ambiante pendant une heure environ. Ensuite, je la mets au frigo pendant 2 heures minimum. Pendant que la gelée refroidit, je vais râper un peu de chocolat pour la décoration. Après avoir bien refroidi, je vais démouler la gelée sur une assiette. Ensuite, je vais décorer la gelée avec les fraises que j'ai déjà découpées. Et pour finir, j'ajoute les copeaux de chocolat par-dessus. Alors voilà, la recette est maintenant terminée. Vient le meilleur moment, la dégustation. J'espère que la recette vous plaira. Si c'est le cas, merci de me laisser un like. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à nous rejoindre en vous abonnant. C'est totalement gratuit pour recevoir les prochaines recettes. Je vous laisse maintenant avec la liste des ingrédients. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.